Oui, alors bonjour. Oui, Essigny se porte très très bien, heureusement. Il a une bonne santé et moralement, ça va. Il a un bon moral aussi. Est-ce qu'il reçoit les lettres? Est-ce qu'il peut envoyer le mot autorisé à recevoir le courrier? En fait, il reçoit du courrier. Je ne sais pas, mais ça prend du temps pour arriver. Par contre, sans courrier, non, on ne reçoit pas tout le courrier qu'il envoie. En fait, ils font un filtrage au niveau de la prison. Il y a des courriers qui passent, d'autres non. Non, non, il n'a pas bénéficié de grâce présidentielle. Non, non, pas du tout. Non. Et vous pensez que si tel avait été le cas, il aurait accepté? Bon, certainement, il aurait refusé. Déjà, son avocat, il a écrit sur Facebook qu'il refuse toute grâce présidentielle. Mais, pour dire qu'il y a un dossier d'injustice qu'il a, qui est flagrant, tout est flagrant, tous les faits sont flagrants, donc il faut arrêter ces injustices-là. Pour la suite, à sa libération, vous pensez qu'il reprendra son mandat politique? Bon, vu que c'est un procès politique, donc je ne peux pas avoir de prévision en fait sur ce qui va se passer là pendant qu'il est en prison. Mais en fait, certainement, quand il va sortir, au contraire, il va continuer encore plus qu'avant. Voilà.